Cet après-midi, dans l'ancienne jungle de Calais, on démonte les restes des containers pour mineurs. Mais à quelques pas, nous tombons sur de jeunes migrants. Ils ont investi ce terrain vague. Ils viennent d'Éthiopie et d'Érythrée. Because in my our country is war, so I come here to go England. Malgré le démantèlement de la jungle il y a quelques mois, Calais reste une ville que les migrants n'ont jamais quittée. Aujourd'hui, ce jeune Éthiopien, lui, n'ose plus se rendre dans le centre-ville. Yes, because I am not free here. Police always, you can see. Cette situation, tout le monde la connaît. Calais reste une ville de passage en Grande-Bretagne. Non, pas ici, là-bas. Les riverains le savent, puisque on en voit passer, ils en voient passer régulièrement. Mais c'est beaucoup de, enfin, disons à 90%, ce sont des Africains et des petits. Enfin, moi, j'appelle ça des petits parce que c'est des mineurs. Donc voilà. Donc ils ne font que passer. Les associations viennent leur donner à manger tout à fait là-bas au bout. En ce moment, les associations dénombrent entre 100 et 500 jeunes migrants. Ils veulent tous rejoindre l'Angleterre.